Ce groupe de 12 personnes va attaquer la descente du canyon du Frascaj. Leur guide insiste sur quelques règles de sécurité. Le toboggan, je vous présente le toboggan, je vous explique comment il faut se positionner et vous y allez. Pour les sauts, je rappelle à tout le monde qu'il n'y a aucune obligation de faire les sauts. Ces jours-ci, la météo est capricieuse dans les montagnes corses. Il est donc impératif de contrôler la quantité d'eau dans la rivière avant chaque départ. En été, on a un volume d'eau tout à fait moyen, voire bas, sauf que quand il y a les orages, ça peut monter très vite. Donc, premier critère, est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas être impacté par l'orage dans le canyon? Aujourd'hui, il y a un orage, effectivement, mais il est de l'autre côté, sur le massif du Chine, et là, sur le massif de Pontartigue, le bassin versant ne sera pas impacté. Donc, je peux descendre tranquillement. Le canyon du Frascaj est assez large pour évacuer rapidement en cas d'urgence. Aujourd'hui, les touristes descendent donc en toute sécurité. L'accident mortel d'avant-hier ne les a pas freinés. Il est important de sentir que le guide maîtrise parfaitement la situation et que on ne devrait rencontrer aucun obstacle, aucune difficulté importante dans ce canyon. C'est la nature, c'est la montagne, c'est toutes ces activités-là, elles ont forcément un risque. Après, on essaye de partir. J'emmènerai pas les enfants dans des endroits où je pense qu'on n'est pas en sécurité. Classés sur une échelle de difficulté allant de 1 à 5, les canyons corses permettent de pratiquer à tous les niveaux, mais en montagne, le risque zéro n'existe pas.